Il suffit d'allumer le cookie eau. Vous allez dans manuel, cuisson classique, mode doré et vous laissez préchauffer. Une fois le cookie eau en mode bien chaud, il suffit d'ajouter le thon, on prend une spatule en bois pour éviter de rayer le cookie eau et on mélange. Je vais y ajouter également l'ail, donc ça peut être de la gousse d'ail. Moi j'ai pris de l'ail surgelé parce que j'avais ça. On mélange bien. Vous allez le faire dorer à peu près 2 minutes le tout. Une fois que les 2 minutes sont passées, donc moi je prépare le cookie eau en mode sous pression, histoire d'arrêter le mode doré. J'ajoute ma crème, donc juste une bouteille pour le moment. L'autre on la garde pour la préparation, pour la mettre au four après. Je mélange bien. On ajoute du sel, un peu de poivre, et on mélange. J'ajoute ma ratatouille, donc ça c'est une recette maison, vous avez également la vidéo dans mes vidéos. Je mélange bien. C'est une recette très très facile à faire et les enfants adorent ça également. Une fois que tout est bien mélangé, je vais pouvoir mettre en route mon mode cuisson sous pression en départ immédiat pendant juste 2 minutes. Et voilà. On préchauffe le four à 220 degrés. Pendant ce temps-là, dans un plat à gratin, vous mettez des feuilles de lasagne, enfin des pâtes à lasagne. Donc moi, j'en mets 3. La fin de cuisson est prête. Je vais pouvoir ouvrir mon cookie eau. Voilà le résultat. Donc il y a beaucoup de jus, ce qui est bien pour les pâtes justement pour qu'elles puissent cuire après au four. Je vais verser le tout dans une casserole et je vais pouvoir faire mon montage. Donc au fond du plat, j'y ai ajouté les pâtes de lasagne et j'y ajoute maintenant une bonne quantité au-dessus de mes pâtes sur tout le plat. Donc ça fait, on va dire, la moitié de la préparation ratatouille. Avec ce plat, moi, je le fais pour 2 adultes et 2 enfants. Donc c'est des bonnes parts. Hein. Et c'est une façon de faire manger des légumes aux enfants. Parce que la ratatouille en elle-même, les enfants aiment bien. Mais voilà, certains enfants n'aiment pas trop. Donc mélanger du thon avec de la crème, plus avec les pâtes, et bien ni vu ni connu, ça passe tout seul. Si vous refaites cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et me dire si vous avez bien aimé. Donc voilà, j'arrive à la fin.
Voilà. Maintenant, je rajoute encore des pâtes de lasagne pour faire un deuxième étage. Et je remets une couche de ratatouille thon. Si vous avez des idées de recettes que vous aimeriez que j'essaye de refaire, ou même que vous avez, peut-être que vous avez une chaîne de vidéos sur YouTube, et dites-le-moi dans les commentaires et j'irai voir votre chaîne. Peut-être qu'il y a des recettes que j'aimerais bien pouvoir refaire. Donc là, voilà, j'ai fini ma deuxième couche. J'étale bien. Maintenant, je remets une couche de pâte. Voilà. Et on prend notre deuxième bouteille de crème et on l'étale tout partout, partout, partout. Ça va justement rendre les pâtes de la lasagne bien plus moelleuses. Si vous avez peur pour celle du fond, vous pouvez ajouter un petit peu de crème au fond avant de mettre vos premières lasagnes. Donc là, voilà, je recouvre tout partout, partout. Histoire qu'il y en aille vraiment sur toutes les pâtes. Et je saupoudre de gruyère râpée. On n'hésite pas, c'est super bon. Donc voilà, j'ai mis du gruyère partout. Je mets au four, 220 degrés, pendant, attention, 10 minutes. C'est simplement pour gratiner. Voilà le résultat. J'espère que cette recette vous aura plu. Laissez-moi un petit pouce bleu et des commentaires. Et abonnez-vous. Bisous. Coucou.